La Sardaigne, c'est une des plus grandes îles de la Méditerranée. Et en ce moment, on est en train de porter la Sardaigne dans le monde et on essaie de faire connaître la Sardaigne au monde entier, de faire connaître ses atouts à tout le monde. La Sardaigne est une île qui est connue dans le monde entier pour sa mer, hein, qui est magnifique, avec des couleurs incroyables, mais la Sardaigne n'est pas seulement de la mer, c'est pas seulement du balnéaire, mais c'est aussi une tradition, de la culture et de la gastronomie. Et donc nous, on essaye de porter un petit peu partout à travers le monde ces atouts, ces spécificités de la Sardaigne pour les faire connaître, pour que les gens ne viennent pas chez nous uniquement pour la mer. Donc la Sardaigne a beaucoup d'autres atouts, mis à part la partie effectivement que tout le monde connaît, donc la partie balnéaire. On a une grande tradition millénaire, très ancienne, avec des sites troglodytes. Il y a des monuments qui sont comparés aux bronzes du Riage qu'on trouve en Calabre et qui sont parmi les plus anciens de la culture italienne et méditerranéenne. On a aussi des parcours magnifiques en termes de randonnées. Donc le tourisme en Sardaigne peut se décliner sur plusieurs facettes qui ne sont pas forcément les plus connues mais qui méritent d'être découvertes. La Sardaigne bénéficie parmi les autres atouts d'une pollution visuelle quasiment nulle, ce qui permet aussi d'avoir une très belle visibilité sur le cosmos. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'installer en Sardaigne un centre d'observation du ciel parmi les plus importants et probablement destiné à devenir un des plus importants au monde pour étudier les astres, étudier les ciels. Et donc voilà, aujourd'hui la recherche scientifique est un des atouts que la région s'efforce de développer et qu'essaie de mettre en avant. Et en parallèle avec un tourisme qui veut de plus en plus durable, justement. Un tourisme qui sera de plus en plus respectueux à la fois du touriste et de l'environnement. Comme disait tout à l'heure monsieur, avec les sites troglodytes, on trouve un petit peu partout en Sardaigne avec les fameux nouraghi que nous avons vus aussi dans la présentation tout à l'heure, qui sont des tombeaux très, très, très anciens qui datent certains de plus de 3000 ans. Et enfin, pour terminer, si vous aviez un ou deux produits gourmands à nous proposer venant de Sardaigne, quels seraient-ils, ces produits gourmands, à manger ou à boire? I nostri formaggi, il nostro vino e i nostri dolci, e in particolar modo la Seadas, che è un prodotto unico che si mangia solo in Sardegna. Voilà, nos fromages, nos vins qui méritent d'être connus et la Seadas, qui est un gâteau typique sarde et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Merci, grazie mille, bienvenue à Leone, mais aussi je pense que nous serons les bienvenus en Sardaigne. C'est comme vous voulez. Merci. Grazie mille. Vi aspettiamo in Sardegna. On prend le vélo, on prend le vélo.